Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai pu chiner pendant les soldes pour mon fils qui fait en ce moment du 12 mois. Il le porte encore du 9 mois dans certains magasins et du coup j'ai chiné un petit peu ce que je pouvais trouver en 18 mois voire en 24 mois. J'aime bien avoir de l'avance sur les tailles pour lorsqu'il change de taille vu que à cet âge-là ça change très rapidement de taille. J'aime bien avoir de l'avance dans les tiroirs pour pas être surprise et puis le matin avoir rien à lui mettre. Et puis les soldes sont tout simplement un bon moyen de faire des bonnes affaires pour les tailles suivantes. Je suis allée chez Zara, j'ai également acheté des Robies et je suis allée chez la compagnie des petits. Donc pour commencer, les Robies, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites chaussures comme ça, des petites chaussures chaussons en cuir. En général, en magasin, quand vous trouvez des Robies, ce n'est quasiment jamais soldé. En tout cas, moi, dans la ville à côté de chez moi, il y a plusieurs magasins qui distribuent les Robies et je ne les ai pas trouvés soldés. En ce moment, il est en 19-20, donc il est plutôt en 19 qu'en 20 parce que la paire de chaussures Robies, qui est du 6-12 mois, je crois... 19-20, c'est du 6-12 mois en effet, et eh bien il a encore de la marge au bout du pied, mais en fait il ne marche pas encore, il va avoir 8 mois au moment où je vous parle, et pour autant c'est bien d'avoir des petits chaussons-chaussures pour lui tenir chaud au petit peloton. Or j'avais déjà des chaussures-chaussons en fait, enfin des chaussures semelles souples de d'autres magasins type Okaidi, mais par exemple il y a une des deux chaussures qu'il a déjà perdu dans une ville, une autre paire de chaussures où il a perdu une chaussure dans le supermarché parce que ça tient pas assez bien la cheville et les bébés aiment bien remuer leurs petits pieds et du coup les chaussures s'en vont facilement. Alors que les Robies ça tient parfaitement à la cheville et c'est même pas arrivé une seule fois qu'ils se l'enlèvent tout seul ou qu'elles sortent du pied en fait. Donc c'est pour ça que je suis très satisfaite d'en avoir acheté. En plus elles sont adorables, en général il y a des petits motifs comme cela, elles sont toutes aussi mignonnes les unes que les autres. Ils font des choses qui sont un peu mixtes comme celle-ci, un petit panda comme ça, autant sur une fille que sur un petit mec ce sera adorable. Mais ils font aussi des trucs très girly pour les filles avec du rose et des trucs très masculins. Moi j'en ai acheté deux paires en 19-20. Donc j'ai acheté ces deux paires et sur Sarenza du coup c'est le seul endroit où je les ai trouvées soldées donc j'étais hyper contente. C'est une paire de chaussures pour enfants qui coûte 29€ quand même. À autour de bébé, je suis allée physiquement dans le magasin, c'était 30€ la paire. Donc pour un bébé, on trouve quand même que c'est cher, n'est-ce pas? J'étais contente de les trouver à 17€, voire 20€. J'ai pris cette paire avec les petits pandas devant et les petites pattes de panda au talon. Et j'ai pris cette paire en bleu marine avec des petits hélicoptères. Donc j'en ai pris deux en 19-20. Et puis vu que j'étais prise par l'engouement des soldes, on sait jamais si l'année prochaine je ne retrouve pas sa taille en solde, et eh bien j'ai pris une paire en 18-24 mois. Enfin j'aurais voulu du 12-18 mois et puis je me suis trompée, j'ai pris du 18-24 mois, mais c'est quelque chose qui sera indémodable, je le garderai dans mes tiroirs. Elles sont beiges avec des petits éléphants verts, ça aussi c'est mixte je pense, et celles-ci elles sont taupe, enfin gris taupe avec des petits dinosaures verts dessus. Le petit dinosaure c'est peut-être un peu plus masculin on va dire. Quand il fera cette taille de chaussure, c'est fort possible qu'il marche, du moins j'espère, et voilà, ça fera tout à fait office de jolies chaussures. Vu que c'est des semelles souples, bien sûr, il prendra pas ça pour aller marcher dans l'herbe, mais ça fera office de chaussons à la maison. Ensuite, pas trop tard après le départ des soldes, je me suis pointée sur le site Zara Kids parce que Zara, pour les petits, c'est vraiment mais magnifique ce qu'ils font. Alors, les tailles chez Zara Kids, c'est un peu particulier, du moins pour les bébés en fait, enfin donc moins de 3 ans. Parce qu'ils font des tailles qui s'appellent 12-18 mois ou 9-12 mois. Le 12-18 mois, c'est du 86 cm. Et pour moi, il me semble que 86 cm, c'est plus du 24 mois, je crois. Je suis pas sûre, c'est à vérifier. Parce que le 12 mois, c'est du 74 cm, normalement. Le 18 mois, je crois que c'est du 80 cm. Et il me semble que 85 cm, c'est le 24 mois. Donc, j'ai voulu commander du 18 mois. Ça affiche 12-18 mois, mais pour autant, c'est du 86 cm. Donc, je pense que... ça équivaut plutôt aux tailles 24 mois qu'on peut trouver ailleurs. J'ai acheté par exemple chez Zara Kids des petites chemises qui sont du coup du 12-18 mois et qui font 86 cm. Il y a des petites coudières là qui sont adorables. La matière est très jolie, c'est très bien fini. Voilà, c'est une petite chemise bleue tout à fait masculine que mon chéri pourrait tout à fait porter à sa taille. J'ai également chopé une chemise écrue ivoire comme cela à col Mao.
Je trouve que c'est très estival ce modèle-là. Et ça aussi, c'est une matière qui est très légère. C'est quelque chose qui est très fluide, qui restera très confortable, bien que c'est une chemise. 9-12 mois, par contre, j'ai réussi à trouver quelque chose. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de tailles qui étaient épuisées. Et il y avait ce petit polo blanc en coton bio. Et je le trouve parfaitement mignon. Voilà, il n'y a pas de motifs qui font bébé, il n'y a pas de petits zèbres, il n'y a pas de petits koalas et tout. Mais voilà, j'aime bien Zara Kids pour ça parce que c'est des affaires en miniature que nous, on pourrait tout à fait porter. Donc j'adore ce petit polo blanc et à mon avis, il pourra le mettre quand il fera à peu près du 18 mois dans les autres marques parce que 9-12 mois chez Zara Kids, c'est du 80 cm. Ensuite, en 12-18 mois, toujours 86 cm chez Zara Kids, un petit jean en format sarouel. Tout est dans la finition, il y a un petit peu les lanières ici qui sont en motif un petit peu soldat. Ouais, c'est un petit peu du kaki, du chocolat. Voilà, c'est un petit jean qui est un petit peu délavé, on ne trouve pas cette couleur de jean clair partout, donc j'ai beaucoup aimé. Ils disent qu'il est en forme sarouel, mais c'est pas le sarouel très prononcé. Il est un petit peu élastiqué à la taille. Il y a les petits élastiques, comme vous êtes sûrement habitué à voir dans d'autres pantalons, pour pouvoir resserrer à la taille quand votre bébé est plus long que gros. Comme je vous disais, les lanières, elles sont de ce motif-là. Donc c'est tout masculin, c'est tout mignon. Chez Zara Kids, j'ai flashé sur cette veste. Pas pour la couleur tellement, mais pour la capuche. Donc c'est une petite veste, un petit sweat à capuche en couleur moutarde. Toujours en 12-18 mois, la matière est très légère. J'ai craqué sur la petite capuche, regardez-moi ça. Ça a des petites écailles comme une tête de dinosaure. C'est trop mignon, franchement. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour la capuche. Pour finir, chez Zara Kids, toujours en 12-18 mois, j'ai chopé un sweat à capuche que j'adore, mais j'aimerais tellement le trouver à ma taille, sincèrement. Parce que j'aime bien les sweats à capuche dans plein de magasins, mais souvent, ils ont tendance à mettre des chiffres. Et moi, j'aime pas trop les chiffres sur les vêtements, aussi bien pour mon fils que pour nous, les grands. C'est pas des chiffres qui sont imprimés dessus, c'est Berlin City. Et j'adore la couleur, j'adore la forme du sweat à capuche, j'adore la matière. L'intérieur est gris, l'extérieur est d'un vert non pas menthe, mais un vert un peu plus foncé que menthe en fait. La suite de ce que je vais vous présenter vient de la compagnie des petits. En parallèle, je cherchais un petit manteau qui soit assez fin, même si on est en plein hiver. Eh bien, il se trouve que voilà, on n'a pas du tout un hiver rigoureux. Là, ces derniers jours, il faisait un soleil magnifique et il faisait 15-17 degrés. Aujourd'hui, il pleut, mais pour autant, les températures sont extrêmement douces. Donc, la doudoune que je vous avais montrée dans mon dernier haul qu'on avait pris chez Okaidi et qui est très chaude, qui est mi-longue, eh bien, il se trouve que ça, c'est beaucoup trop chaud à mettre en ce moment. Surtout quand on se balade, par exemple, avec le porte-bébé et qu'il est contre moi et qu'il a ma chaleur. Vraiment, la doudoune, c'est bien trop chaud. Donc je cherchais un petit manteau et j'ai trouvé celui-ci en solde chez la compagnie des petits. Je le trouve pas magnifique en fait, hors solde j'aurais pas craqué dessus, j'aurais peut-être cherché ailleurs. Mais voilà, c'est très coloré, j'ai pris ça en 12 mois parce que j'en avais besoin maintenant. Je serais peut-être contente de le trouver au printemps et ça sera peut-être trop petit. Mais bon, il y a encore de la marge, hein. C'est un 12 mois qui taille assez grand. C'est un manteau qui est rouge, il y a marqué des petites bulles, super rigolo, youpi la compagnie. Ça fait un petit peu BD en fait, les petites bulles. Et l'intérieur est bleu à rayures, l'intérieur de la capuche, et l'intérieur est bleu. Et vous voyez que c'est un manteau un petit peu veste fine et que la matière est assez imperméable. Donc c'est tout à fait ce que je cherchais pour lui, pour aller se promener quand les températures de l'hiver sont encore douces. Ensuite, à la compagnie des petits, je me suis servie en 18 mois et j'ai trouvé ce petit polo. J'ai pas les prix initiaux, si, là j'ai le prix initial, c'était 17,95€ le polo et je l'ai pris à moins 50% plus 10% supplémentaires. Donc je suis pas allée dès le départ des soldes, donc c'était déjà bien dévalisé, mais au moins j'avais les 10% supplémentaires, donc j'ai payé ça 17,95€ moins 60%. Et ce petit polo est très bien fini, il y a les petites bretelles en fait qui sont mises en relief devant le polo et derrière. Le col est d'une matière différente, il est assez rigide, les coutures sont extrêmement bien faites. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que je prends l'article suivant ou est-ce que je le prends pas? Mais je trouvais l'ensemble tellement adorable et j'aime bien avoir une tenue assez habillée pour les dimanches où on va manger chez mes parents, chez des amis, chez ma sœur. Et du coup j'ai pris quand même, même si en 18 mois peut-être que ça fera un peu trop hiver. C'est un petit pantalon, c'est une matière qui est quand même assez chaude, mais pas trop quand même, c'est très relatif.
Peut-être que j'habiterais dans le sud de la France, j'aurais pas acheté ça. Et il y avait la petite chemise et la petite veste sans manches qui allaient avec. Donc je vous montre les choses un petit peu dissociées. Donc vous avez le petit boléro en fait, avec un petit nœud papillon rouge dessiné ici. Et le derrière est très bien fini. J'avais un ensemble comme ça de chez Kiabi, et vraiment les finitions ne sont pas les mêmes. Hein. Il était adorable chez Kiabi, le petit ensemble, il l'a beaucoup porté, pour les fêtes notamment. Là on voit que c'est vraiment beaucoup mieux fini. Et la chemise est également magnifique, et j'aime beaucoup les petites chemises grises comme ça. Toujours chez la compagnie des petits, dernier article, j'ai chopé ce petit gilet sweat en fait. Pareil, j'adore la finition, j'aime beaucoup le motif, il y a une petite bête, un petit ours là, super ours. Et il y a ces petits trucs qui sont cousus en relief, je vous montrerai encore ça de près. Le revers des manches est également adorable avec des petites rayures comme cela, des petites rayures colorées. Et j'aimais beaucoup que ce soit un gilet comme ça, à bouton pression en plus, donc très pratique à fermer. Et que ce soit pas un gilet en laine en fait, que ce soit un gilet un peu matière sweat. Je voulais reparler des bodys de chez Kiabi. La dernière fois je vous ai présenté que j'avais acheté des bodys de chez Kiabi et que j'avais une abonnée qui m'avait dit qu'elle aimait pas parce que ça se détendait. Je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit du fait que ça bouge quand même un peu au lavage ces bodys. J'en ai qui n'ont pas bougé du tout, j'en ai qui bougent. Ce que je veux dire c'est que les bodys de chez Kiabi ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix, je reviendrai pas dessus. Elle a raison quand elle a dit que ça bouge en machine, j'ai pas trouvé qu'ils ont extrêmement bougé, du moins pour le prix que je les ai payés, j'ai trouvé que c'était de la bonne qualité, j'ai trouvé que j'en avais pour mon argent. Bien sûr, si vous mettez un peu plus cher, vous verrez que les bodys ils bougeront moins et qu'ils sont plus lourds. Par exemple, j'en ai pris chez DPAM. J'en ai profité de les prendre en solde parce que j'avais les mêmes bodys que ceux-là en taille 9 mois, des bodys qui ne lui vont plus. Et c'est vrai que voilà, ça reste beaucoup plus droit. La forme ne se déforme pas justement. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave en fait que les bodys Kiabi se soient un petit peu déformés pour le prix et pour le temps qu'ils les mettent? Voilà, j'ai trouvé que la qualité était tout à fait correcte. Pour autant, en solde, pourquoi pas choper en fait dans des magasins type DPAM des bodys qui seront de meilleure qualité. J'ai pris en fait ces lots de bodys, c'est un lot en fait. Celui-ci est blanc avec les coutures bleues, donc c'est à manches courtes, mais quand il fera du 18 mois, on peut imaginer que je lui mettrai quelques bodys manches courtes et pas seulement des bodys manches longues. Le deuxième du lot, il a des petites souris bleues. J'avais déjà ces bodys en taille 9 mois et je les avais beaucoup aimés, ils n'avaient pas bougé, c'était d'excellente qualité. Et du coup, j'en ai pris deux petits lots parce que je les ai payés moins 50%. Et en plus, j'avais du cashback. Donc, j'ai pris un autre lot de deux bodys à manches longues cette fois. L'un est blanc avec les bordures et coutures bleu clair. Et l'autre est totalement bleu clair, un petit peu bleu clair jean. La bonne affaire que j'ai pu faire, dont j'étais hyper contente, ce sont des bavoirs de la marque Carré Blanc. Carré Blanc, vous devez connaître cette marque, je pense, au moins de renommée, parce que c'est du linge blanc, en fait, du linge de maison de très très bonne qualité. Et du coup, j'ai vu chez une copine qu'elle utilisait des bavoirs Carré Blanc pour sa fille. Sa fille a 18 mois, voire 2 ans, mais pour autant, je trouvais très pratique, en fait, les bavoirs qu'elle utilisait, parce que ce sont des bavoirs qui couvrent parfaitement les épaules de l'enfant et qui tombent très bas, qui lui couvrent vraiment tout le corps, alors que les petits bavoirs qu'on achète au début... vous allez voir que quand ils commencent les cuillères de purée, ils s'en foutent partout. La matière de ceci est un peu matière serviette de bain, ce qui fait que les fibres sont bien ressorties, et bien vous allez bien désincruster la purée facilement de la serviette en fait. J'en ai acheté une dizaine en fait parce qu'ils étaient je crois à moins 40 voire moins 50%, et un bavoir comme ça chez Carré Blanc ça coûte 9,90€, donc ça coûte la peau des fesses pour un bavoir. Et là je les ai eu à 5€ et quelques, donc j'ai acheté oui 10-12 bavoirs je crois. J'ai également acheté une housse de tapis allongée qui n'était pas du tout dans la déco de ma salle de bain ou pas du tout dans la déco de la chambre de mon fils. Ou... voilà, c'est pas un coloris que j'affectionnais particulièrement. Il a des petits chiens, il est bleu marine. Mais j'ai trouvé le format très pratique, de très bonne qualité. C'est une housse que vous achetez avec deux serviettes qui s'accrochent par bouton pression sur la housse. Et vous avez une serviette de rechange en fait. Donc pareil, de choper ça à moins 50%, j'ai trouvé que c'était une très bonne affaire. Et j'ai presque hésité à repasser commande. Et en plus, là aussi sur ce site, j'ai eu du cashback. Vous avez un chien qui s'incruste dans la vidéo. Mais c'est pas grave parce que cette vidéo est terminée. N'hésitez pas
pas à me rejoindre dans la zone de commentaires pour me faire part de vos achats pour les soldes que vous avez réalisés pour vos petits bouts. Et je serais ravie de voir ce que vous avez vous chopé pendant les soldes et les bonnes affaires que vous avez faites. Ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!